finale du Draft Warrior entre HT Skateboard et Tone Dr. J. Dr. J qui revient des repêchages, qui a réussi à remporter ses quarts de finale. Allez, maintenant ils vont essayer de placer les Sonic Boom. Voilà, il a mis en forme de bouclier pour avancer avec son Sonic Boom, se mettre à l'abri. Essayer de surprendre au maximum Skateboard actuellement. Et ouais, le saving bien utilisé, il met la balayette derrière. Aïe aïe aïe, le flash kick par contre là est mal puni du côté de Skateboard. Pendant le Sonic Boom. Et Flylight là, ouh, ça a quand même pris le Sonic Boom. Avec ce Flying Barcelona, il a envoyé de l'autre côté. Allez, wow là là, c'est un gros point. Et il lui place l'ultra, bien joué ça. Vrah. Pétale de rose dans la quiche, c'est Bing et met la balayette derrière, elle part de l'autre côté. Il y avait moyen peut-être de placer un petit Sonic Boom pour mettre encore un peu de pression. Ah, attention avec là, ouais, il était trop loin pour punir. C'est déchopé. Là, on voit, il zone beaucoup. Dr. J, il essaie de trouver des ouvertures à ce saut, par contre, mal puni, enfin mal timé de la part de Dr. J. Voilà, il prend la balayette. Attention, c'est chaud. Et hey, flash kick qui vient rattraper. Tu ne t'enfuis pas, reste avec moi. Ouais, bien joué de la part de Dr. J qui remporte son premier round. C'était limite entre les deux joueurs, ça se jouait à rien. Et le rolling, non, ça passera pas malheureusement. Dans le start-up du Sonic Boom, il a fait un petit tout petit peu trop tôt. Allez, le Sonic Boom de nouveau, elle essaie de l'attirer, vous voyez Dr. J. Mais il tombe pas dans le panneau, Skateboard, il le connaît bien. Et ça fait double touche. Voilà, le flash kick, il a utilisé le cancel derrière. Il aurait dû essayer de mettre de la presse et prendre la clave OX derrière. Et attention de l'autre côté, c'est Bing. Ouais, bien utilisé, il passe de l'autre côté. Ouh, cette inversion de garde un peu folle là. Et il se cherche encore. Ah, c'est vraiment difficile à défendre là-dessus. On sait plus où garder, le personnage tourne dans tous les sens. Non, 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 pas de flash kick à la relever parce que là, il y a le punition. Hey, il a rattrapé. Chop aérienne. Et il lui replace l'ultra. Et là, oh, ça tue pas. Mais il reste vraiment pas beaucoup. J'ai cru que ça allait tuer. Non, il a balancé un ultra. C'est terminé. Et la petite chop pour en terminer pour Skateboard. Voilà, un round de partout. Dommage que Jay se précipitait comme ça sur la fin. Il y avait moyen encore d'essayer de trouver des embrouilles pour remporter le round. Allez, ah, il a lâché le casque, il va faire plus de dégâts maintenant. Moins de défense sur le coup. C'est passé en combo, bien joué ça de la part de Skateboard. Il a terminé en Nightclaw Airborne. Ah là 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 là, ça stun. Et il ouvre et hop là, encore le rolling derrière. Ah, il fait très très mal la Skateboard. Ouais, il est, en plus il va pouvoir esquiver HK pour en terminer. Complètement dedans Skateboard, il avait vraiment pas le temps. Rendu complètement fou Tone Dr. J. Et voilà, le membre de la team HT se met très très bien. Plus qu'un set pour passer en finale. Allez J, il a changé de costume. Allez, envoie tout ce que tu peux. Et là il y a du zoning entre les deux joueurs avec les Sonic Boom. Toujours même technique, hein, le Sonic Boom, il essaye d'avancer derrière pour mettre la presse. Voilà, il a sauté, il a mis la chop. Il s'est fait avoir là le Skateboard. Tout petit peu trop précipité. Il a voulu passer par dessus le Sonic Boom et c'est la punition. Et la ouverture, ah, bien joué cette culbute vers l'arrière pour éviter la presse. Attends, non ça passera pas, il a mis l'ultra. J'ai cru qu'il avait placé le Flying Barcelona. Il a mis l'ultra, le Sonic Boom X qui prend. Là il est bien J, il zone bien. Attention ce Sonic Boom qui est punissable. Il y avait moyen encore de passer Sonic Boom là-dessus J. Voilà, il travaille Sonic Boom, il utilise les savings de l'autre côté. Le Headclaw X qui n'a pas pu passer un deuxième. Deux fois bien gardé, c'était vraiment pas facile. Il a mis une saving, là il est bien J, il défend très très bien. Attention au saut comme ça, il ne tente pas d'aussi loin. Il essaie de masquer au maximum les attaques en mettant des savings, des dashs de temps en temps pour surprendre. Et oui, encore le saut puni. Il a mis 3 ultras Skateboard sur Dr. J. Faudra qu'il fasse attention à ses sauts parce que voilà, il se fait punir souvent. Ça a été son défaut d'ailleurs lors du dernier match que nous avons diffusé. Allez, hop là, la running bien défendue. Et ouais, petite coup de but là, il était malheureusement en corner. Ah, il passe de l'autre côté, là c'est bien vu. Ah, il aurait dû essayer de décaler la chope là-dessus. La Clao X qui est passé pour Skateboard. Ah, pas de Flying Barcelona, juste un saut court pour essayer de surprendre. C'est bien vu, d'essayer de mettre des petits setups de variés
Voilà, et hop là, il a voulu mettre la glissade trop courte malheureusement, ça aurait mis une bonne petite mise à terre, le flash kick, bien joué ça. Et il va pouvoir travailler derrière. Hop là, esquivé, oh il a raté, dommage. Et le flash kick quand même qui est passé. Le temps de charge n'était pas suffisant pour punir Roger. Le flying Barcelona, il est en train de revenir là, skateboard. Non, il a lancé l'ultra, il le rattrape, l'anti-air derrière. Ça va être serré, il met la glissade. Et là, il a barre de super, dommage pour Jay. Il y avait moyen là de mettre tellement de choses là-dessus. Mais voilà, skateboard en a profité et il remporte le set. Et il ira jouer donc la finale. Dr. J lui ira jouer les repêchages face à un autre Vega sur le coup. Ludoki, voilà pour le match de la troisième place. Nous allons voir la finale donc entre Skateboard et TLK Roma. On devrait voir encore une belle rencontre. On se dit à très très vite et que l'esprit des combos soit avec vous.